Un acteur, Jacques Gamblin. Un skipper, Thomas Coville. Un trompettiste de jazz, Alex Tassel. Et un homme orchestre, Damien Grimont. A priori, rien ne rapprochait ces quatre hommes, sauf leur passion pour la mer. Ils pressentaient qu'ils pouvaient devenir amis. Ils ne savaient pas que leur chemin professionnel allait se croiser. Et ce fut la magie du golfe du Morbihan. Peu à peu, je pose un peu mes valises par ici. Ouais. Et c'est le bon endroit. Et la mer. Voilà. Parce que c'est l'endroit où je sens le mieux, finalement. Je me sens encore mieux sur l'eau que sur un plateau de théâtre. À l'occasion du record SNSM en 2013, Thomas Coville embarque Alex Tassel et Jacques Gamblin. Les deux marins novices découvrent les sensations à bord d'un trimaran de compétition. Cette expérience sera une révolution dans l'inspiration des deux artistes. Le comédien se lancera dans des nouvelles improvisations sportives, tandis qu'Alex Tassel composera une symphonie de la mer. J'admire surtout énormément cette force d'esprit qu'il faut pour pouvoir s'engager en solitaire comme ça sur des courses, sans même parler de l'aspect physique. Je pense juste à la solitude et à tout ce qu'on a à surmonter, à survivre, à vivre tout court. C'est quelque chose d'invraisemblable pour moi. Entre le monde des arts et l'univers du sport, les passerelles peuvent créer des merveilles. Après son séjour sur Sodebo, Jacques Gamblin a imaginé tout un spectacle dialogue entre un athlète et son coach. C'est le corps qui parle. On passe par les mêmes phases et maintenant les risques en effet sont pas les mêmes, mais on passe par des peurs aussi, on passe par des moments de grâce, et tout ça, on s'est rendu compte de ça en échangeant sur nos deux métiers, et c'était donc très riche, très riche. Et puis cette richesse est de plus en plus riche. C'est une démarche, c'est une vraie philosophie qu'on a de vie tous, de chercher l'excellence, le petit moment sublime qu'on a connu une fois et qu'on a envie de reproduire et qu'on a envie de retrouver. Et en fait, vous rencontrez d'un seul coup quelqu'un qui n'était pas du tout de votre milieu et qui vous parle de ce que vous avez, mais jusqu'au profond, là. Mais c'est hyper troublant, presque. Hein. C'est très... c'est une relationnelle qui est rare, en fait. Parfois, un petit instant de récréation permet encore aux copains de se retrouver sur l'eau, malgré des plannings surchargés. Une histoire d'amitié s'est ainsi scellée, avec le golf comme point d'ancrage et l'amour des beaux-arts comme point d'accord.